Désolé, je devais faire deux, trois trucs en même temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour. Oui, on est jeudi, on est de retour. Ouais, je vais commencer à mettre mon casque, mes cheveux en arrière là, parce que je commence à avoir beaucoup trop de cheveux qui me tombent dessus. Ouais, ça pousse, on va dire. Ça pousse de fou. Comment ça va, chat? Ciao, maman. Ciao, maman. Tu t'as pas ça. Enlève le spoil. C'est vrai. Bien vu. Pas de spoil aujourd'hui. Y'a pas de spoil aujourd'hui, je l'avais pas vu. Comment ça va les petits potes? Comment ça va les petits potes? Salut Marion, bonjour DRK Wingmaster, bonjour Architecte Maltarot, qu'est-ce qu'il y a avec tes Lego? Ça y est, tu veux faire des constructions aussi? Y'a du retard. Bonjour Spart, salut Kubito, bonjour Schwarzteiger, comment vas-tu? Salut Little Novak, les Yam, bonjour Nidia aussi. Comment ça va les petits potes? Comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Oui. Salut Gouac. Comment vas-tu? 8 avril, est-ce que ça va? Est-ce que votre journée se passe plutôt pas mal? Est-ce que vous arrivez à faire des choses aujourd'hui? Hein? Parce que des fois, on est un peu en mode. Pas trop envie. C'est pas trop froid chez vous? Il semblerait qu'on atteigne des records là, est-ce que j'ai entendu? De froid. Bon, rien que le fait d'aller sur mon balcon, je meurs de froid. Il vient tout juste de commencer pour moi. Ouais. Salut, pas de quartier, bonjour. Salut Tigron. Usuran, bonjour. Catbre. Bonjour Laon. Lono. Bonjour à toi. Ça meule un peu, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il fait froid, hein. Il fait vraiment froid. Ça va bien, content de pouvoir repasser un peu plus. Merci beaucoup, architecte numéro bis, pour le 18e mois sur Just TV. J'espère que ça va en tout cas. J'espère que ça va. J'achète tous les Lego NASA Day One et la navette spatiale est déjà quasi en rupture. Ah ouais, t'es comme ça? Au boulot, mais je vais écouter d'une oreille, vive le télétravail. Au boulot. T'es en train de travailler au boulot ou t'es chez toi au boulot? Et salut le chat, salut Grizzly, comment ça va? Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Ça va, 10 degrés, on est bien. Ah moi je. En fait, c'est marrant. En gros, en général. Quand j'étais un peu plus jeune et quand j'allais à la mer, vous voyez, genre ma mère et mon père pétaient un plomb parce que genre je plongeais, je faisais la petite chasse sous-marine, vous voyez, à la plage. Et genre je pouvais me baigner dans de l'eau glacée, mais genre vraiment glacée. Hein. Quand je vous dis glacée, même mon père, des fois il mettait les pieds dedans, il était en mode t'es complètement fou. Et je restais pendant genre 2-3 heures à faire des allers-retours sur les digues sans combinaison. Du coup, dans le froid glacial de l'eau. Ok. Et maintenant, en fait, il y a juste une brise de vent. Et je suis en mode, ok, je rentre. J'ai une boule au doigt qui a éclaté hier. Un volcan comme l'Etna. Mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez 2 secondes. Le best-of. Là, le nez cassé, là. Ouais, je sais, je sais. Ouais, le nouveau best-of hein, qui est sorti, je l'ai fait ce matin à 9h. Je vous l'ai tweeté, donc si vous voulez aller le regarder, il n'y a aucun problème. Attendez. Il se passe des trucs. Incroyable ce best-of. C'est gentil, Naï, merci beaucoup. Je crois qu'en prenant de l'âge, on devient frileux. Plus jeune, je me baignais dans la Manche à l'aise. Maintenant, c'est compliqué. Bonjour Turbo. Non, mais clairement, hein, Cléam, hein, je suis complètement d'accord avec ça. La loutre de l'euro. De l'héros, pardon. Bonjour, bonjour. Salut, monsieur Château. Non, mais c'est vrai. Genre. Vous savez, l'eau, elle est froide le matin. Et du coup, nous, quand on allait à la plage, c'était genre sous le coup de 9h du matin. Vous voyez, on allait à la plage à 9h du matin pour rentrer genre à 13-15h, en gros. Quand on faisait pas des journées complètes à la plage, par exemple. Mais genre, à 9h, quand tu essayes d'aller dans l'eau, l'eau, elle est genre claire. Parce que bah, c'est très bien pour pêcher, du coup. Le matin, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, les poissons vont manger
contre les rochers, ok, et c'est pareil pour tout ce qui est sèche, poulpe et tout ça, ça sort un petit peu. Donc c'est là que tu vas attraper du poisson, le matin, et en fin d'après-midi, et le soir, en fonction des horaires. Là, je suis en train de vous donner des tips pour la pêche. Hein. Mais genre, à 9h du matin, quand t'as genre 11-15 ans, vous voyez, et que tu rentres dans de l'eau, qui, elle fait genre 8, et t'y restes pendant 2 heures, et t'es en mode... et maintenant, je me mets au balcon, et il y a juste un peu de vent qui arrive, et je regarde Christina, je fais, bon, vas-y, je vais rentrer, moi, il fait trop froid, là. Marseille en plage. Mais let's go, architecte. Pas loin, en vrai. 20 minutes. Tu es toujours à Marseille, hein ? Yo, Green Monster. Et ouais, Fitz, c'est déjà 2 ans, hein, que tu nous saoules avec tes gros poules. Hein. Déjà 2 ans, ouais. C'est dingue, hein ? 2 ans, Albion Online. Insane. Merci beaucoup, en tout cas, pour le soutien, hein, Fitz. J'espère que ça va outer, qu'il fait pas trop froid. LOL, qu'il fait pas trop froid. Mais j'y ai passé toutes mes vacances. C'est ma grand-mère qui était, je suis de Perpignan. Ok, d'accord. Ok, ok. Ah, c'est bien, Marseillan. Enfin, pour se poser tranquillement, c'est cool. Le Saint-Laurent est un peu fret en ce moment, mais bientôt c'est Montréal plage. Le Saint-Laurent, qu'est-ce que c'est que le Saint-Laurent ? Le parfum. Yo Jalad, bonjour Juice, yo le chat. Salut Kezako, comment vas-tu? Est-ce qu'il y a des gens là dans le chat qui ont fait un truc de fou, genre hier soir ou ce matin, là, qui veulent leur raconter un petit peu ce qu'ils ont fait, genre une épopée? Est-ce que quelqu'un a une aventure de fou à nous raconter là? J'ai envie d'être aventurier avec vous là. Le fleuve du Québec. Ah, ok, c'est le Saint-Laurent, d'accord. Un fleuve canadien, le Saint-Laurent. Il n'y avait pas un bateau de guerre qui s'appelait le Saint-Laurent? Je crois qu'il y avait un bateau de guerre qui s'appelait le Saint-Laurent. Ça me dit quelque chose. Putain, mais ses cheveux, là. What the fuck. Vous savez, c'est la boussole. C'est genre, c'est pour aller au nord. Vous trouvez le nord, en fait. Vous tournez la boussole et vous trouvez le nord. Qu'est-ce que... Ça pousse que devant. Franchement, ça rend fou, ça pousse que devant. Jimmy Neutron, c'est exactement ça, putain, Pog. Yo, Sniter, ça va quoi? Je reconnais ça. Ouais. Ce matin, j'ai pris une douche, c'était ouf, mais non. Insane, faut que j'en prenne une ce soir aussi. Je suis passé dernier en duo sur RL avant la fin de la saison. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la nouvelle saison qui arrive, là, de Rocket League. Je pense que je vais tryhard le jeu. Je me suis fait courser par un bélier en réalisant... Un audit d'un siège d'un site logistique. Aventure. Mais non. Vraiment. It is a joke or no? Because it's very nice. J'ai dormi comme une mage, je me suis levé à midi. J'ai pris un râteau sur Insta. C'était une épopée. T'as pris un râteau sur Insta, Grizzly? Attends, mais attends. Tu dragues sur Instagram? Raconte-moi, Grizzly. Raconte-nous, raconte un petit peu. Tu dragues sur Instagram? Instagram est devenu genre le Tinder... Ah mais c'est pour ça que la dernière fois tu m'as envoyé un message bizarre, j'étais en mode me drague ou quoi là? T'as dû te tromper de message, c'est faux, tranquille. Je suis en Bermuda même sous la neige, c'est bon pour la santé. Insane. Bonjour, bonjour je suis chauve. Je cherche du travail, plus grosse épopée de ma vie. Ça va arriver Toys, ça va arriver. Acquisition d'un casque VR, d'une gastro fulguro en même temps. Joue ça alors pas mal. Franchement c'est insane, t'imagines tu fais de la VR et t'as une fulgo gastro. Je connais ça. Bon, pas avec la VR, mais je connais ça. Le reste. Terrible. Prends du repos. Bois beaucoup. J'ai fouillé tous mes mails ce matin au cas où j'aurais loupé. Et pas de clé New World. Yo, Sragou, ça va ou quoi? Bah écoute, c'est un peu le même délire par ici. Hein. Et ouais, Trackmania aussi. D'ailleurs, hein. Bonjour, je suis chauve. Est-ce que tu vas bientôt ça, Jus? Bah en vrai, ça va. Hein. Mais je comprends. En fait, regardez! Un nain de jardin. Je comprends pas. Franchement. Et là. Il y en a des...
les cheveux aussi là. Patchy. C'est là là, il y a un problème ici, regardez. Ici il y a un problème. J'arrive même pas à attraper les cheveux qui sont ici. J'attrape tout. J'attrape tout du côté. Mais non mais ça m'énerve. Faut le dingue. Non mais je sais pas ce qui se passe. En vrai ça va être difficile. Faudrait peut-être que je mette la banane à l'avant. Non mais c'est terrible en vrai. Avez-vous déjà vu? Non mais... Let's go. Je suis sûr que je peux faire deux cornes là. Ouais, je peux... Non. Triceratops. What the... Non mais en vrai mes cheveux, ils... En fait mes cheveux, il n'y a pas besoin de gel. Et ne me dites pas parce qu'ils sont gras. Ils sont vraiment genre... Arrête, dites pas que c'est gras. Genre ils sont si doux. Regardez, je pourrais même faire une véranda. Regardez, attendez. Regardez, une véranda. Pour la pluie. Mais what the fuck. Ça prend ouf. Regardez, pourquoi acheter une casquette en fait. Regardez. C'est pas mal, non. Tous. Oh. Casquette, une casquette naturelle. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Je fais ça, normalement les cheveux de tout le monde devraient faire genre un truc du style, non? Genre, enfin je sais pas, se foutre comme ça. Mais... C'est pour gagner quelques centimètres parce que je me sens trop petit. Bonus plus 10 en charge. Mais ouais, salut Moineau, bonjour. Bon attendez, ça me rend fou en vrai du coup. Ma mère, la dernière fois, elle m'a dit « Mais t'avais une perruque sur la tête ?» J'étais en mode « Mais non, ma... » Voilà. C'est un peu bizarre, mais tranquille. Ouais, ça fait bizarre, là, non ? Attendez, je mets ma cam de face quand je vous regarde, vous, parce que sinon, j'arrive pas à savoir. Voilà, comme ça. Bon, on va se dire que c'est ok. Hein. Mais c'est vrai que ça commence. Enfin voilà, ça commence à pousser. Mais juste à l'avant de la tête. Au pire, on fera une énorme mèche comme ça que je mettrai sur le côté, ici là. Voilà. Je la jetterai au livreur Amazon de la fenêtre pour qu'il monte mes colis. Fait chaud, hein, de fou. Et là, tu frottes et tu perds tout. J'avoue, t'imagines Dream. Il y a plus de cheveux. Un bandeau ou un bonnet. Plus un bandeau, je dirais. Après, Christina a envie de me faire un chouchou. Voilà, elle veut que je mette un froufrou. Alors, je pense que. Enfin, il le veut là. Enfin, genre, je pense que c'est là. Enfin, il y a déjà pas mal de cheveux en fait ici, vous voyez. Mais genre, ça serait con de faire juste. Non, mais je sais pas. Je dis chouchou, DRK, mais je sais pas comment on dit. Enfin, genre un. Enfin, je sais pas comment on dit, moi. Je le connais pas. Mais genre, je pourrais mettre un truc là, tu vois. Un toupet. Je peux pas encore m'attacher les cheveux, les bonnets, c'est la vie. Un élastique, quoi. Voilà, merci Marion Toons, voilà. Commencez pas, c'est pas genre un chouchou Dora... Après, qu'est-ce que... Si j'ai envie de mettre un chouchou Dora l'exploratrice, en fait. Un catogan. Je sais pas ce que c'est un catogan. On rappelle l'époque où j'avais les cheveux jusqu'au milieu des dos, du dos. Putain, mais Snitter, t'es vraiment trop bizarre, hein, vraiment, en gros. Je sais pas. Hein. Tu fais 2m10, t'avais les cheveux au milieu du dos. C'est des cordes de bateau que t'avais ou comment ça se passe? Mais je sais pas, gros, tu fais des trucs, enfin... Voilà, un chignon avec mes cheveux. Voilà. Donc on va voir. Mais par contre, ouais, à l'avant, enfin, on pourrait peut-être faire un chignon à l'avant parce qu'il y a quand même pas mal de cheveux. Ça fait longtemps que t'as pas fait de PUBG. Ça fait très longtemps, dingue. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à PUBG. La flemme d'aller chez le coiffeur, ça, je peux le comprendre. Mais par contre, la suite de ta phrase, pendant 5 ans.
Après, je me demande pourquoi je suis pas étonné que tu regardes un seul épisode d'un anime et que t'arrêtes de regarder l'anime. 5 ans que t'avais la flemme. Non mais vraiment. Non mais c'est chaud gros, c'est chaud en vrai. Merci Nikilo pour le resub et le 8ème mois. Et Moineau, bonjour à toi encore et merci beaucoup pour le 47ème mois sur Adjust TV. C'est beaucoup, mec, j'ai regardé 56 000 épisodes d'anime Halo. 56 000! T'as mis du pchit-pchit dans tes cheveux? Non, j'ai pas mis de pchit-pchit là, je sais pas où. Je l'avais ici, mais j'ai dû le... Je sais pas où je l'ai mis. Oui, je mets des pchit-pchit dans mes cheveux. Bon! J'ai reçu un truc aujourd'hui. Et c'était aussi pour vous parler de quelque chose. C'est un pchit-pchit. Et en plus, je vais en profiter parce que j'ai pas vu. J'ai reçu un nouveau truc. Un nouveau produit. Un nouveau truc. De Level Up. Bien pinky. Gaming Booster, le Spring Edition, qu'on va goûter tout simplement, parce que bah, j'ai envie de le goûter. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de ça? Et j'en profite aussi pour vous dire que actuellement, bah, vous êtes juste insane. Hein. Voilà, juste pour vous dire que la communauté est insane au niveau du produit. Merci de me faire confiance. Hein. Vous avez été nombreux à acheter du produit Level Up, donc merci beaucoup de me faire confiance vis-à-vis de ça. Sachez qu'on est très content avec Derka, parce que on s'est vraiment mis... à fond dessus pour vous proposer un produit dont nous aussi on avait confiance, hein, parce qu'on l'a beaucoup testé. Juste Nitter, il a regardé 56. Ouais, non, mais c'est ce que je me dis en fait, Derka. En fait, Nitter, il a dû juste regarder 56 000 épisodes. Enfin, 56 000. Hein. Mon bébé, ok. Alors attendez, boubouille. Attends, va là-bas. Hop, on va se faire le petit checker. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. J'arrive pas à... J'ai pas un nez comme Tojiro. Alors attendez, on va essayer de faire un truc. Hein ? Attendez. Tanjiro. Alors attendez, je vais dire ce que je pense qu'il y a dedans et ensuite Derka va me dire, ok, je la joue un peu Tanjiro, ok ? Donc pour ceux qui comprennent pas la ref, c'est Demon Slayer. Mais en vrai, on dirait vraiment de la pêche. Mais il y a... Il y a de la poire. Il y a un arrière-goût de poire. Je sais pas combien il y a de produits dedans, donc j'arriverai jamais à trouver le truc. Et il n'y a pas écrit sur le côté, je crois pas. Et du coup, il dit quoi? Donc regardez. Mais je crois pas qu'il y a de... Je crois pas. Poire et fleur de sureau. Ok. Ah bah c'est peut-être ça que j'ai pris pour de la pêche. Mais je connais pas du tout la fleur de sureau, par contre. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc oui, tout simplement, pour vous dire qu'en plus de ça, actuellement, la livraison, les frais de port, hein, en gros, les frais de port sont free. Hein, Derka, c'est bien ça. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'essayer... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de poudre à mettre dedans. C'est free. Free. Les ports sont free. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Ça me plaît, cette histoire. Moi, j'aime beaucoup la part. La poire. Donc en gros, j'ai mis le produit, ok. Donc il y a vraiment pas beaucoup hein, à chaque fois. Hein. Vous voyez, il n'y a pas 6 tonnes. Et là, en gros, ce qui est marrant, c'est qu'avec ces trucs, en fait, on arrête l'eau, bah, pile en haut. Voilà. Stream scientifique.
Hop 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 hop. Et voilà, ça me fait la journée. Let's go. Et du coup, je vais goûter ce truc. Donc la poire, ça devrait me plaire. Par contre, j'ai vraiment accroché à la Black Edition. Vous savez, le truc que j'avais reçu qui était une édition limitée là. Un peu le truc que je consomme tout le temps, en fait. Le cassis, c'est de la bombe, en général. Attention, je vais... c'est de la nitroglycérine, les amis. Il faut mélanger pendant 6 heures. C'est parti. Non mais en vrai, ouais, le cassis, c'est de la bombe, hein. Et donc, je profite de cette discussion pour proposer à ceux qui sont intéressés mon véhicule que je mets en vente. Il s'agit d'une Renault Scénic de 2004, R.4 HDI avec 254 800 km au compteur. Il est en vente aux alentours de Chambéry. Faire offre. S'il vous plaît, si jamais il y a des gens qui veulent lui faire une offre vis-à-vis de sa voiture, ça serait vraiment pas mal. Aux alentours de Chambéry, du coup. Putain, ça fait... On dirait que je bois un yaourt. Est-ce que la fleur, c'est ce qu'il y a dans les yaourts? J'ai un arrière-goût des petits pots de bébé de yaourt, vous savez? C'est trop marrant. Est-ce que c'est ça qu'on a dans les yaourts? DRK, la fleur de sureau, là. Le bébé bodybuilder. C'est qui, sureau? C'est la fleur de sureau. Non, mais c'est pas mal. Moi, en fait, j'adore la poire. Ah, ça y est, level up commence à me connaître. Ils savent que j'adore la poire. C'est parti, quoi. Poire, banane, cassis, vous m'avez eu. C'est déjà tout, je profite de ce live discussion pour proposer ce qui s'intéresse. Mon motoculteur Honda CRX234 utilisé seulement 3 fois pour monter des fraises chez mon oncle André. Si intéressé dans le 34, faire off. Écoutez, personnellement, je profite aussi de ce live pour vous proposer de ne pas oublier de vous subprime à la chaîne. Parce que, comme vous le savez si bien, Prime ne se renouvelle pas automatiquement. Il faut aller le rechercher pour vous sub à la chaîne. Donc, j'attends impatiemment vos sub Prime, bien entendu, comme d'habitude. Mais voilà, en toute gentillesse, je suis dans le 34 aussi. Faites off. Pas d'argent. Voilà, c'est gratuit. C'est gaming, pas Prime. Écoute, en fait, le truc, c'est que c'est très chiant. Juste. Parce que, en gros, voilà, merci Loucan, t'es le boss. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le Prime Gaming. En fait, sur Streamlabs, parfois, il y a écrit Prime Gaming et Twitch Prime. Mais no joke, hein. N'hésitez pas à vous subprime, faire off. C'est ça, exact. C'est exactement ça. Pensez à vous subprime, faire off. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas, Lucas, c'est très gentil. Quel plaisir. Ah. Il n'y a pas écrit, mais super. Je demande à DRK si la fleur de Sauron, l'anneau avec Frodon... C'est pas genre goût yaourt, parce qu'on dirait que je suis en train de manger un yaourt à la pomme. En fait, j'ai un arrière-goût de yaourt à la pomme. Il me dit, j'ai pas écrit Danone sur le front. Enfin, genre, what the fuck, en fait. Juste, what the fuck, en fait. C'est une question. Est-ce que le chat... Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui a le front écrit Danone qui pourrait me répondre, en fait? Darknone? Bah ouais, un peu. Darknone. C'est vrai que ça pourrait faire ça. Ça fait un peu dark et non, en plus, donc... C'est pas mal. Je le verrai bien DRK en non. Personne non, mais ça se trouve. De quoi, des gens avec le Danone écrit sur le front? Nestlé plutôt. On va pas commencer à faire de la pub gratuite à des marques, les amis, par contre. Google, mec. Bah ouais, Rémenut. Bah ouais, ouais. Google. Fais de la pub à Google. Bonjour, Jouz. Bonjour, le chat. Salut, Mana. Comment ça va? Je connais aucun yaourt à la fleur de sureau. Mais ça doit exister. Non mais franchement, je sais pas, j'avais un arrière-goût de yaourt. N'hésitez pas, profite de ça pour faire offre. Faites offre, plutôt. Bien entendu. Bon, et comme d'hab, hein, si jamais vous avez envie de vous essayer à level up, c'est là.
et vous avez le code JUICE avec la 5% de réduction et du coup la livraison gratuite pour actuellement. Donc si vous avez envie d'essayer, bien entendu, let's go. Donc les sureaux, arbustes et plantes herbacées du genre Sambucus, appartenant à la famille des Caprifoliacées. Les travaux en systématique situent maintenant ce genre dans les Adoxacées. Le sureau est une plante nitrophile. Sa présence indique donc un sol riche en azote. Les sureaux ligneux sont des arbustes à fleurs blanches. Waouh. C'est déjà trop compliqué. Déjà, je pense qu'on a perdu la moitié du chat là. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Rien compris, pareil. La bière. Oh, attendez. Je vais faire un truc parce que là on va passer de l'élève. Enfin, on va faire l'élève au quaitier. Alors c'est où? C'est ici, je crois. Voilà. Ouh, la page blanche. Page blanche. Fond vert décalé, c'est de la bombe. Oui, mais j'avais rien. Ok. On y est, les gars, on y est. Donc, attendez, il y a trop de lumière. Arbuste à plante herbacée du genre Sambucus. Donc, ça ressemble à ça en fait. Voilà. Ça t'arrive de jouer à des jeux de gestion des fois? J'essaye déjà de gérer mon chat en fait. Donc, j'essaye Easy Rogue. Trop bon les shoots de Sambuca. Le sureau est une plante nitrophile. Ça veut dire quoi ça? Qui mange de la nitroglycérine? Pas du tout. Appelée aussi plante nitrophile ou nitratophile, est une plante qui demande des sols riches en nitrates ou en déchets organiques à minéralisation rapide. C'est le cas de la grande ortie. Et de nombreuses plantes rudérales. Ou de champignons. On est parti sur un live de plantes. Twitch, c'est le jeu de gestion. Gérer la vie, c'est déjà bien. C'est vrai que gérer sa vie, c'est déjà bien. Il existe en Europe 3 espèces de sureaux. Le sureau noir. Ok. Le sureau à grappe. C'est pas le truc, quand on est gosse, on nous dit que c'est du poison, ça. Et le sureau yèble. Ah ouais, ouais, ouais. Je reconnais ça. Ces baies sont toxiques. Ah, donc celles-là, elles sont pas bonnes, mais par contre, celles-là, c'est quoi ça? C'est quoi ce fruit? Moi, je m'en souviens, on en avait à l'école. Enfin, genre, enfin, peut-être pas la même plante. Non. Mais genre, il y avait des trucs. Enfin, je crois que c'était pas autant au même endroit, en vrai. Genre, et je crois que notre pion, pour nous faire peur, il disait que c'était. Si on touchait le truc, on mourait. C'est à la fleur de sureau. Ouais, la fleur, du coup. C'est pas la... Enfin, oui. Attends, mais c'est ça, du coup. Enfin, oui, la fleur. C'est juste trois trucs. On m'a fait la même. Fonction mortale, Hunger Games, tout ça. Ouais, oui. Pour moi, c'est du poison rouge, ça. Ouais, ça, on me dit... En fait, ça et ça, quand j'étais à l'école, en primaire, on me disait c'est du poison. Est-ce que vous avez eu aussi, vous, dans votre école primaire, les petites fleurs, en fait, vous arrachiez un petit peu, genre, vous enleviez l'arrière de la fleur et vous le preniez parce que c'était un peu, genre, sucré. C'était de la bombe. Avec mes potes, on arrivait, c'était à côté du terrain de foot, on s'arrêtait en train de jouer au foot, on faisait des pauses sucre. On pensait vraiment qu'on était des aventuriers de fou. Je m'en souviens, on faisait des missions. En fait, on a un étang à Mogio, l'étang de l'or, et on partait avec des mitraillettes, des fusils, mais genre en plastique. Hein, à l'époque, ça faisait juste ta-ta-ta des bruits qu'on avait chopé à la fête foraine. Et on se maquillait, et genre on arrivait, on coupait des branches, on prenait genre des baies, on mangeait des baies, j'avais 13 ans, 12-13 ans, et genre on était en mode, bon, on rampait par terre, on prenait ces petits trucs, là on était en mode, let's go, on tirait sur les taureaux, enfin on tirait sur les taureaux. Mais vraiment dans ce style-là. Hein. Donc voilà, on était vraiment drogué à la fleur de près, exactement. Donc en gros, ce qu'il y a dans Level Up,
C'est ça, les bienfaits des fleurs de sureau. Le sureau est une plante aux multiples vertus. Il convient de bien le reconnaître afin de bien l'utiliser. Ses précieux actifs lui procurent de nombreuses propriétés et comme un cadeau de la nature, le sureau s'accommode très bien en cuisine. C'est bien celui-là, du coup. Bien le reconnaître, je parle bien du sureau noir. Oh! Oh! Ouais, voilà, donc c'est bien ça. Cet arbuste de 3 à 5 mètres de haut, ouais, c'était bien ça, ouais. Ça peut atteindre jusqu'à 12-15 mètres! Très répandu dans nos régions, on le trouve à l'état sauvage dans les haies de bord de forêt, mais aussi dans les jardins ou dans des cours de ferme. Il fleurit de mai à fin juin en formant de belles ombelles blanches. Bah, nickel! Donc ouais, le goût, quoi. Et en cuisine. Différentes propriétés. Son action anti-allergique aide à soutenir les muqueuses lors des épisodes estivaux des rhumes des foins. Putain, être enrhumé parce que du foin. Imagine le truc. Tu mets une relique de la mort dessous, quoi. Pendant les abrivato et les bandidos, là, 70% du chat ne sait pas de quoi je parle, je pense. Tranquille. La boîte à pharmacie du paysan. Ouais, c'est Mogio, ça. Le sourd est appelé aussi par les anciens. Les anciens, ils disent que c'est la boîte de pharmacie du paysan. Les gens disent même que la déesse Freya, ah, ça nous intéresse, aurait choisi un sureau pour s'y nicher. On comprend mieux que le sureau fut longtemps considéré comme magique et sacré. Ok, c'est parti. Gagnez l'euro million. $13 millions. Eh, les amis, imaginez, je joue à l'euro million, je gagne. Stonk level up. Stonk. Go, gagne-moi cette... Non, euro million, mais de fou, en vrai. Ouais. Tranquille. Google. Alors, attendez. Je veux juste voir un truc. Fleur de sureau yaourt. Ça me dit un truc, en fait. Ça m'en fout. Ah. Attends, mais il y avait écrit, regarde. DRK, tu l'as peut-être écrit sur ton front, en fait. Ah, c'est sûr. Hein. Et Ricola, fleur de sureau, miam. Ricola. Non, mais j'ai vraiment cet arrière-goût de fou, en vrai. Ok. Bon, bah d'accord. Hein. C'est juste proche de la vanille, mon goût. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ça a l'air d'être un peu genre vanille. Exactement, dingue. Merci beaucoup, bordel. C'est exactement. Du coup, ça fait genre yaourt, vanille, poire, vous voyez. C'est un peu ça, peut-être, que je ressens. Merci beaucoup. Putain, j'arrivais pas du tout à trouver le mot pour la saveur. Mais ouais. Ouais, les ricolas, c'est bon aussi. Oh, l'argent ne fait pas le bonheur. Juste, tu nous as pour ton bonheur. Non, je plaisante. Go gagner le milliard. Mais oui, go gagner le milliard, en fait. What the fuck. Je vous jure, si un jour je suis millionnaire ou milliardaire, je continuerai à faire des lives. Aidez-moi. Donc voilà, si jamais, encore une fois, voilà, level up dans le chat, Derkam le mettre. Si vous avez envie d'essayer le produit, on a fait plein de vidéos avec ça. Je donne des infos. Il y a plein de trucs. On a un peu discuté de ça. J'ai toute une gamme. Je suis depuis... Je crois que ça va être le deuxième mois actuellement avec eux. Ça, j'ai fait le test pendant 3-4 mois avant l'arrivée de World of Warcraft. Et franchement, c'est ok. Après, comme d'hab, faut pas en abuser. C'est un par jour. Hein. Vous avez vu, c'est très facile. Hein. Il y a juste, tu prends le pot, il y a une cuillère déjà faite dedans, tu remplis la cuillère, tu remplis, si vous achetez un truc level up, c'est 500 000, c'est 5, c'est combien? Bref, c'est Sado, quoi. S'il y a un ingénieur qui peut me dire combien c'est de Sado, c'est pas là, c'est parfait. Donc, tranquille. Oui, please, un live à bord de la Lamborghini Juice. Non, jamais conduire, 500 millilitres, voilà. Deux doigts. Exact. Hello there. Salut Reaper, ça va ou quoi? Salut Ben! Bonjour Chad, bonjour Juice, comme d'hab, il était vraiment cool le dernier investisseur. Merci beaucoup, c'est gentil! Merci de me suivre sur YouTube. Juice, franchement, si tu deviens milliardaire, go des lives comme Adrien pour offrir des barbateaux aux gens. Non mais en vrai, le barbateau, mon père aurait été fou. Hein. Je te jure. Hein.
sais que j'arrive, en fait, j'arrive sur là, je fais, vas-y, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Amazon? Je clique, je vois le bateau, je fais un... Et là, j'entends, eh ben, on va lui envoyer, j'étais en mode, quoi? C'était quoi? Et c'était trop bien! En fait, Adrien a fait gagner des choses sur Amazon hier, parce qu'il était un OP. Et genre, il a fait gagner des trucs insane. Par contre, on est bien d'accord, la statuette d'Illidan, 60 cm. C'est beaucoup, ça, non? eBay, pas Amazon. Ouais, pardon, excusez-moi. Des formations professionnelles. 60 cm, c'est quand même la taille de... Ouais, c'est presque un mètre, en fait. Il y a combien de centimètres dans un mètre? C'est plus qu'un demi-mètre. Non mais je sais les gens, je sais, c'était la blague. 5 centimètres, c'est presque un mètre. Mais ouais, ouais. Putain, mais... Ah mais vous savez pas rigoler, hein. Vous savez pas rigoler, hein. Franchement, vous faites trop de télétravail, hein. Tranquille, hein. Le pire, c'est qu'il vit dans un appart et tout, quand tu vas le recevoir, ça va être tout... Ça va faire tout salon cuisine. Non mais c'est trop marrant, en vrai. Merci Néo, salut beau gosse, salut à toi. Comment ça va? Salut les beaux gosses, attention. Et les belles gosses aussi, attention Néo. Il y a des belles gosses aussi sur le chat, hein, je le sais. Merci beaucoup pour ce tier 3 et ce 44e mois Néo. J'espère que tu vas bien et que t'as clean Isaac. Et que ça y est, tu vas arrêter de nous parler d'Isaac sur le live. Et comme ça, quand t'arrêteras d'en parler, je pourrai le stream aussi. Hein. Zen, comment ça Marion? T'es pas une... Comment ça? T'es pas une belle gosse? Ici, tout le monde est une belle gosse, ok? Vous êtes des beaux gosses. Beaux gosses, belles gosses. Liliane qui est là aussi, voilà. Hop, bonjour à tous. Carmen est la meilleure des belles gosses. Je sais pas où elle est en ce moment. D'ailleurs, j'ai peur de demander à Juice quand on aura une autre pièce de stream. En vrai, je pense que dès que j'aurai une nouvelle pièce de stream, le bateau, là, le bar bateau, je vais me le faire moi-même. Je me le ferai moi-même. Vous êtes tous des beaux gosses. Je suis dégueulasse. Ouais, toi, t'es pas fou, en vrai. Ce sera cool. Ouais, toi, t'es pas dingue. Toi, t'es pas dingue. Quitte le live. Quitte le live, Sam. T'es pas dingue du tout. Par contre, ouais, on se tient en contact sur la sortie du MMO, là, quand il sortira. Hein. Putain, j'ai pas de clé. Je suis dégoûté, en vrai. J'aimerais trop pouvoir y jouer le soir. J'y suis allé à genoux, hein, sur leur Twitter. On leur a envoyé même un mail en anglais et tout. J'étais en mode, please, please, keep me okay. Ils étaient en mode, no. On aurait dit le garde de plage quand j'étais gosse, no. Ok, ok. En vrai, j'étais vraiment en mode, come on, please, please. PTDR, t'es qui? Je pense que c'est un peu cette réponse-là qu'ils m'ont donné. C'est quel est le mot? New World. New World, New World, New World. Le MMO de eBay. Ça leur apprendra ça. Comme donner une clé. Le mec qui chambre, tu sais. Oui, oui, New World, là. Le MMO de PayPal. Voilà. Celui-ci. Celui auquel a joué Alpha. Celui auquel a joué Alpha. Comment ça? Il y a très longtemps. Alpha l'avait peut-être testé, ouais. En fait, là, actuellement, il y a des clés qui sont distribuées, mais on peut pas y jouer. Mais vous savez, j'ai pas revu... Est-ce qu'il y a toujours eu des petits plaisantins qui sont arrivés, qui ont live le jeu? À chaque fois, je me loupe. Parce que les premiers jours où ils ont donné des clés, il y a plein de gens qui ont lancé les lives. Et du coup, le Twitch, le compte Twitch main de New World était sur leur live en mode « Can you stop the streaming this game? You have not allowed to do this, please. » Ah bah vaut mieux ne pas avoir de clés alors. Ouais mais Bloomingo, moi j'ai vraiment envie... En fait le truc c'est que j'ai envie de découvrir les nouvelles choses. Il y a plein de nouveaux trucs et tout et j'aimerais bien savoir. Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un stage en informatique en Ile-de-France. Votre aide serait la bienvenue. N'hésite surtout pas, faites offre si jamais. Mais ouais, reparler du... Franchement le bar à bateau c'était une scène. Je pense que j'offre ça à mon père. C'est de la bombe. Mon père est trop heureux. Je le vois déjà au fond du garage avec la... Je lui ai acheté une machine à pression pour Noël. Et genre, je le vois au garage, mais comme ça, là, en train de faire ses trucs. C'est le live des offres. Le choix qu'on fait avec Mortal, le MMO que Alpha joue il y a quelques jours. Ah, c'est Outriders. Je suis nopé le bon coin, le live. Bah, je crois, hein. Bah, t'as un message à faire passer aussi, DRK? Tu cherches pas un truc?
Histoire 2, faite offre peut-être. Enfin, je sais pas. Le bon juice ici. C'est le bon juice. N'hésitez surtout pas si vous avez des offres. Cherche clé de 12 dans le 06. Cherche un vrai taf, faire offre. T'es sérieux? Putain, mais vas-y, c'est bon. C'est quoi quand je vois ça sur le chat? En fait, j'ai juste envie de live. En fait, je vais juste faire live pitch. Voilà. Venez sur mon live, faire offre. Je pense à... Mais... What the fuck? Snitter! T'as ban Paolo Gamin? Bonjour, le débutant informatique d'Aix-en-Provence base littéralement le mental de ses étudiants avec des partiels d'annonceurs à la dernière minute. Est-ce que vous m'autorisez à mettre le tweet? Et si vous pouvez le partager en tag... En tag Univam... Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est jeu libre. C'est... Eh franchement, c'est quoi? On va annuler aujourd'hui. On va annuler jeu libre. On va mettre annonce gratuite sur le live. Venez. On va faire ça. On va changer le titre et on va faire annonce gratuite sur le live. Annonce libre. Genre, j'ai hâte de voir le flou. Je vais me poser comme ça derrière mon PC et je vais avoir les meilleures annonces. Vent Clio 2, bon état, 45 000 km. Non mais franchement, ça me tue. Mec, je vais ban trop de gens, mais tranquille. Oh mon dieu. En fait, je vais... Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vais... En fait, streamer, c'est pas trop mon truc, hein. Je vais devenir commercial. DRK, on ouvre un site d'offre ou quoi? C'est ici le 3615? Bah je crois, ouais. Salut, t'as 5 minutes pour la planète. ouais, fais offre. Tranquille. Ouais, tranquille. À vendre 4 juste acheté à Noël, comme j'aime pas ce streamer, je la vends. T'es sérieux, Tigrou? Ouais, putain. Dios Crappy. Vent slip quasi neuf, faire quasi neuf, porté deux fois. J'ai juste pour avoir un bon moment de stream, histoire de pas déprimer, ça compte comme annonce. Ça peut le faire. On est là, Lady McCrow, on est là. Cucu. On compte arc avec tous les DLC de 2640 heures, très peu servi. Non mais ferme-la, Stragou. Ils m'ont foulé aussi. Vous connaissez Trusty? Stragou, c'est notre trinôme de arc. Hein, pour les gens. Stragou, dis-leur aux gens là du chat si j'ai joué à Ark moi. Demande-leur aux gens. Enfin, dis-leur aux gens. Parce qu'à chaque fois ils font les malins. Ouais, mais tu connais pas Ark, t'as jamais joué au jeu. Dis-leur, Stragou. Il va écrire juste, il a jamais joué au jeu. Je vais me débarrasser d'un lit, un bar, un petit meuble et deux tables basses vers fin juin, faire offre. Tu dois déménager ou quoi? Vite fait. Ok, 3 points. Tranquille. Non mais c'est... Offre stage en France. Ah, Drunken qui offre peut-être des stages ici. Terrible. Bon jeu PC en thème, faire offre. Franchement, en thème, en comparaison de jeu, ça doit être Green Lantern. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En comparaison de film. En thème, vraiment. Ah, ça c'est pas mal, né. 11 558, tu prends combien de bitcoin du coup? Vend râteau neuf la matinée. Mais putain, mais Grizzly. T'es sérieux avec le... C'est quoi le F... C'est quoi ce type de monnaie, quoi? Quel gâchis. Une imprimante aussi. Non, mais c'est bon. Les gars, tranquille. Bon, aujourd'hui, du coup, jeu vidéo. La question est quoi comme jeu vidéo, hein? Parce que si ça ne tenait qu'à moi, actuellement, je suis dans une lancée horrible. Hein, je ne fais que du R6. Frais de port. Ah, tu voulais un peu... Ok. Frais de port, ouais. Bah en tout cas, n'oubliez pas que si jamais vous prenez du level up aujourd'hui, les frais de port sont gratuits. Hein. On s'en fout du jeu, je veux un stage. Bah yes. Ouais, frais de port là. Mais incroyable ta transition. Bah écoute, je commence à avoir du taf quoi. J'ai de l'expérience dans la peau, donc j'essaie de faire... Voilà.
Tranquille. Donc voilà quoi, je suis un peu commercial aussi sur les bords donc. Is ok. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous proposer? En vrai. Voilà. On va faire un sondage, je pense. Alors le premier sondage, ça va être FPS ou autre. Voilà. Ça va être le premier qu'on va pouvoir, les modérateurs pourraient déjà m'enclencher ça. Donc du coup, si vous répondez à autre, bah je suis dans la merde en vrai. Pourquoi vous me floudez PUBG? Vous vivez en quelle année? Je vends mon frère, bon esclave. Mais putain, mais les gars, mais vraiment. Valolo frérot. Mais Marion, je pue. Je pue. Tissif, juice. En vrai, j'ai envie de tester Outriders, mais vu comment mon frère y joue en ce moment, je crois que le jeu est méga long en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez testé un peu Outriders? Ok, je vais mettre une annonce moi aussi. C'est vrai qu'on n'a pas cherché. Enfin, j'ai pas cherché. Donc on a, moi j'ai deux offres à faire passer, donc la première c'est cherche au PSP, si jamais vous avez des contacts, ou sub gift, voilà, faire offre si jamais, et bien entendu pour le reste c'est du, je cherche aussi des viewers, n'hésitez pas à faire des offres, je suis preneur aussi, voilà, faire offre bien sûr, tranquille, faire sex appeal car Juice m'a tout volé. moi je suis toujours en recharge. En fait, moi je suis toujours hop, voilà. Genre, quand j'ai plus de piles, j'ai déjà mon chargeur de prêt et je recharge instant. Ça prend 2 secondes. Voilà, tranquille. Juice m'a tout pris. Ta-ta-da-da, ta-ta-da-da. Il est pas gentil, SCP là. 666, le diable. J'ai juste des piles. Bah ouais, hein. Tain, 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 tain. Cherche implantation capillaire correcte, merci d'avance. Magic, bien vu ça. Je pense à Claim XCOM 2 aussi. Dans les MP Discord. Mais bordel, j'avais pas Claim ça aussi. Mais tu veux. Bah, il est nini. Bordel. Oh non, vous avez mis autre, vraiment. Sitter, ils veulent pas se faire ban. Hey, salut Muse. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dit, Blooming? Je sais pas ce qu'il a dit. Pourquoi DRK a rebondi sur ça? J'arrive pas à retrouver Blooming. Ah si, j'ai une OPSP d'Anon si tu veux. Quoi? Je cherche personne pour faire tout ce que j'ai à faire à ma place. Pas mal ça. Autre. Ok, bah ça tombe bien. Aujourd'hui, on va faire du FPS. ça tombe bien. J'ai une idée. J'ai une idée par quoi on peut commencer. J'ai une idée de ouf. Il a déjà lancé R6. R6 était déjà lancé sur mon PC. Je dois faire une mise à jour, mais tranquille. Salut Croque, mon poire. Quoi? Ça va très bien, ouais, ça va très bien. Azerion, pourquoi pas content? Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Outrider, pas trop regarder, c'est un peu MHW avec des armes. Roger streamer qui me met pas. Qui ne ment pas à sa commu. Faire offre. Non mais Ralok, qu'est-ce que t'es en train de dire en fait? T'es en train de dire que je mens à ma commu? T'es sérieux là ou pas? C'est ban ça Ralok par contre. Ça fait 3 ans, ça fait quasiment 39 mois que tu me suis et tu dis que je suis un menteur? C'est turbo ban. Assez d'accord avec lui en vrai. Non mais je vais pas lancer un FPS. C'est bon, j'ai compris. On est parti pour une game de Civ. Une toute petite. C'est un menteur, moi je dis ban. What the fuck? Complètement fou. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Rainbow Six? J'ai essayé Take Two Juice. Non, pas encore. Soon Blizzard.
R6-6B. Ouais, je... vous allez voir. Arthur Rimbaud 6. Oui, 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 oui. Non, mais je vais essayer un petit jeu, là. Juste les games de hier sur R6, là. Tu sais que ce matin, j'ai fait pareil, hein. C'était horrible. J'avais juste envie de me... bah, je sais pas, j'avais juste envie de... bah, de plus exister, en fait. J'avais juste envie de plus exister. D'ici... non, on va pas faire du Civ, les amis. Je vois... je crois... je... attendez. Ouais, je l'entends là, DRK vient de tomber de sa chaise. Juste, juste si je clique sur Civ, en fait. Le jeu va être en TPS au lieu de FPS. Trolli. What the fuck, en fait. Juste what the fuck, en fait. Risk of rain. On en parle du tweet de Skok pour la Zidane? Non, on n'en parle pas. Il s'est même trompé de donc ça me bat, hein, en vrai. Il l'a fait exprès. Hier, mes games de R6, mamie. Moi, c'est ce matin, vraiment. J'ai eu des mates qui me tiraient les chaussettes. Salut, t'as déjà joué à City Skyline? J'y jouais un petit moment. En mode complètement pour la découverte et tout, mais j'y ai jamais vraiment joué en live, en gros. Mais tranquille. Il va lancer The Division 2, on va tous voir flou. Non mais tranquille. Je suis en train de faire des trucs. Là. Eh, vous savez que dimanche on essaie de faire le tournoi de Ponce ou pas? Vous le savez ou pas? Peut-être faire du Mario Kart demain. Hop là! Bon, je vais vous proposer un truc, ok? Vous allez voir, il y a un jeu dans l'eau qui n'a aucun sens. Mais vous êtes prêts ou pas? Vous allez me dire, attends, mais c'est chelou ce que tu nous proposes là. Vous êtes chaud ou pas? Est-ce que vous entendez là ce que je suis en train de dire? Vous êtes chaud ou pas? Ok. On va faire un sondage. Les jeux sont... soit on fait du Rocket League en ranked, ok, soit du Trackmania en ranked, soit Conqueror's Blade. What the fuck? Le mall. Bien entendu, les modérateurs, vous pouvez tricher pour le Conqueror's Blade. Au pire, on fera ça plus tard. Mais tranquille, juste pour voir un peu. Mais voilà, on peut faire soit du Rocket League, soit du Trackmania. Ma manette, elle est là. C'est pas la bonne manette. Xbox. La X de Xbox. Les potes d'Xbox. Hop. Je vais tryhard mes morts. Sur Trackmania ou Rocket League devant, j'installe déjà la manette, hein. Je sais que vous allez prendre un des deux, voir Juice TV, voir la Juice TV sur un jeu de voiture, je sais que vous kiffez de fou. Donc le sondage est fait. Arc ici les votes. Non mais commencez pas. Qui est le Snitter? DRK, vire-le-moi. DRK, vire ma Snitter. Vas-y, ça m'a saoulé. Qui a fait ça? Faussé mais honnête. Non, mais j'ai jamais dit Arc. C'est qui les... ah, mais c'est un vote de triche, ça. Y a pas autant de gens qui votent. Y a un mec qui est en train de flou. Là, c'est Snitter qui clique sur Arc ici les votes. Ouais, c'est bon. Jure que non. Non. Il n'y a pas 306 personnes sur le live qui votent Arc, en fait. Ça n'existe pas. J'ai évoqué... ouais.
Non, c'est moi avec les plaisirs. Ah, mais vous avez fait les votes de triche. Et voilà, et maintenant il va y avoir l'annonce, je cherche un streamer qui ne ment pas, parce que je vais pas du tout prendre ce jeu-là, les amis. Plus de votants que de viewers. Eh ouais, voilà, merci Edar. What the fuck, en fait. Bah ouais, les gars, regardez, on se fait instant juger, en fait. Je cherche des viewers, en fait, offre si jamais. Faire off pour Arc. Non, pas du tout. J'adore ça. Ouais, de fou, hein, moi aussi. Désolé, j'ai miss. Miss souvent, hein, Derk. Hein. Le chat a voté, ça sera donc Rocket League. Non mais les gars, vous savez pas ce que... Enfin, vous savez pas, Arc, le temps que je lance une game, le temps que j'arrive à survivre au début, je suis mort 600 fois. Et un modo de ban. Non mais oui. Ça veut dire quoi, ça, Juice? Tu mises tout, gros. Je suis désolé de te dire ça, mais là, la dernière fois, hier, t'as ban quelqu'un en miss. Là, tu viens de deny un mec en miss. Je sais pas. Tu veux qu'on en parle? Tu veux venir en vocal avec moi? Tu veux qu'on en parle un petit peu de tes miss? Tes miss? Miss? Miss. Ok, est-ce que Rocket League, tout est DMCA? Juste pour savoir, je me souviens plus exactement. Il faut quand c'est de la musique hein, pour pas se faire ban. Je miss, mais sans miss. Alors que Snitter, il sait même pas quoi lui offrir pour la 120. Ok, bon, la manette est là, tranquille. Ok, gros. Non mais tranquille, tu sais quoi? Je vais te donner un anime, tu vas regarder le premier épisode et t'arrêtes. T'es d'accord ou pas? Allez, bon live, gros, bon live, merci, merci. Rockin. Ah, moi je m'attaque au modérateur, c'est bon, à un certain moment. T'as 100 000 GG, mec. De fou, en vrai. Alors, bon, je sais pas pourquoi ça dure 15 ans, Rocket League, là. Ah bah, un garde du Nord. Non, ça serait trop simple, Snitter. J'ai trop de flexibilité quand je me bats contre les mecs plus grands que moi. T'auras pas de chance. T'auras zéro chance, en fait. Vraiment. J'ai plus peur des mecs qui sont plus petits que moi que plus grands que moi. On refait pas de vote du coup? Quoi? Mais Suprême, pourquoi tu veux jouer à Arc? Lance un service d'assistant au stream, développement web, modération, commande custom complexe pour bot, relations publiques. Wisp, faire offre à Derk. J'arrive, ça parle de se taper. Ouais, ça y est. Ça y est, l'autre il a idée. Eh, bonsoir. On m'a dit de me taper, on se tape. Juice, il est construit différemment. Non mais tranquille. What the fuck, j'étais tellement en réalité de voir Juice dompter des dinos là. Non mais vous êtes sérieux? Vous voulez que je joue à Arc? Non mais attendez les potes. Non mais en vrai... On peut pas faire ça. Un serveur officiel, rien que pour ta main dodo, il faut 7 heures. Non mais les gars, non, on peut pas faire ça. On peut pas jouer à Arc. Je peux pas tam un T-Rex pendant 36 heures. Il faut des coups à un moment, en fait. Non, on fuit jamais. Comment ça, on fuit jamais? Voilà, toi. Merci, Strike, pour le 28ème. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. En plus, la saison 3 a commencé. Vos amis Steam peuvent être automatiquement ajoutés comme amis Epic Game, afin d'y former un groupe. Remarquez-vous, pouvez venir ajouter. Voilà. Nickel. Alors, attendez, je fais juste ça. Oui, on est d'accord, hein, chat. Rocket League, les musiques, c'est pas bon deal. Hein. En vrai, peut-être plus tard avec le nouveau DLC des serveurs rapides, Juice. Peut-être un jour.